chez le dentiste. Oui. Moi, j'ai un souvenir de Christian venant chez moi dîner à la maison un soir. Il pleuvait dehors et son pantalon... Il était arrivé en scooter, son pantalon était trempé. Donc, il enlève son pantalon et il dîne chez moi dans la cuisine en caleçon. Ce qui a beaucoup choqué la jeune fille au père. Bon, ben voilà. Christian et dîne dans son caleçon dans ma cuisine. Bon, voilà. C'est ce genre de relation que nous avons. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, quelqu'un à quelqu'un? Est-ce que je peux avoir mes bottes en caoutchouc parce que j'ai froid aux pieds? Merci. D'accord. Attends, parce que je suis pas sûr que le parapluie soit bien placé par rapport à... Je ne sais pas trop là où se situe notre amitié, mais c'est une amitié qui date depuis 17 ans maintenant. Et ça a commencé autour d'une paire de souliers qu'il m'a envoyé sur un shooting. Et j'ai dit que j'ai adoré. Et puis l'attaché de presse a téléphoné à Christian pour dire qu'il a adoré. Il me les a donnés. Et je les ai encore et je les porte régulièrement. Parce que ce que j'adore chez lui, c'est que ses modèles, c'est tellement original, c'est tellement spécial, c'est tellement Christian que je trouve qu'on peut porter très facilement des chaussures qui ont 15 ans. Enfin, parce que c'est tellement particulier comme style que ça ne se démode pas. Et si c'était plus bas et on voyait que l'œil gauche plutôt? On va au théâtre ensemble, on va au cinéma ensemble, on aime beaucoup faire la cuisine. C'est plutôt un truc de pratique, je crois. Ce que j'aime le plus chez lui, en fait, c'est le côté bricoleur. Enfin, pas bricoleur, parce que c'est pas BHV, bricolage, mais c'est le côté faire quelque chose avec un autre truc, ou son inventivité, c'est ça qui me plaît le plus, je crois, chez lui. Et cette espèce de joie de vivre, et un refus absolu de se laisser abattre par des problèmes divers et variés. Enfin, c'est un fonceur. Et c'est très bien d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie parce que son énergie est contagieuse et oui. Je l'appelle si j'ai une bonne nouvelle, je l'appelle quand j'ai un problème et j'ai envie de pleurer un bon coup. C'est vraiment un vrai ami. Les femmes qui sont présentes dans le livre sont vraiment ces amies que j'ai toujours connues. Enfin, je ne les connais pas particulièrement, ces femmes, mais je connais leur importance dans la vie de Christian depuis toujours. Il arrive à avoir cette amitié forte avec beaucoup de gens et je ne sais pas comment il arrive à faire ça. C'est preuve d'une générosité énorme quand même.